Un nouvel album après 6 ans d'absence, une tournée qui s'annonce gigantesque à partir de février prochain. Et si 2019 était l'année Patrick Bruel, comme si le chanteur remettait son titre en jeu. Malgré ses 30 années de carrière, ses 50 films, ses 15 millions d'albums vendus et ses dizaines de tubes devenus cultes. Alors, regarde. Regarde, on est en 1989. Je te le dis quand même. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. 2 ans plus tard, on se posait tous la même question que lui. Qui a le droit ? En 2018, il chante « Tout recommencer ». C'est l'un des titres de ce nouvel album, un album citoyen qui dit beaucoup de sa vision du monde, mais aussi de ses sentiments. Patrick Bruel est ce soir notre invité exceptionnel. Bonsoir. On se lève pour Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Ravi de vous accueillir à nouveau sur le plateau de C'est à vous. Enfin ! Ravi également. Enfin, votre retour à la chanson avec un album citoyen, c'est comme ça que vous le qualifiez, qui retrace les 6 années que l'on vient de vivre, avec ce que ça a engendré de joie, de colère, de rire, d'infinie tristesse, parce que ces années-là, elles ont laissé personne indemne, et pas vous en particulier. Personne. Mmh. Et que ce soit les créateurs ou que ce soit d'autres acteurs de la société civile, tout le monde a eu sa manière d'exprimer, de ressentir, de vivre ce qui a pu se passer. On dit pour le meilleur et pour le pire, puisque le pire, évidemment, ce sont ces attentats et ce qui s'en est suivi. Le meilleur, ça serait peut-être cette victoire en Coupe du Monde, entre autres. L'euphorie qu'on a vécue cet été. Et tout ça met les gens dans la rue. Première question, qu'est-ce qu'on fait ? On rit, on danse, sous ce drapeau immense. On se cherche dans les rues, on embrasse des inconnus et on s'aime. Qu'est-ce qu'on s'aime ? Et si l'on s'aime une semaine, est-ce qu'on peut s'aimer, tu crois, 2000 ans après ça ? Vous avez peur que cette union, cet élan de solidarité ne dure pas. Évidemment, on se souvient des images de 1998 auxquelles vous faites référence. Ce pays entier, d'ailleurs, cette équipe, la fameuse équipe Black Blanc Beur. On est champion du monde ! On est la France ! Champion du monde ! Champion du monde ! On est champion ! On est champion ! On est champion ! Et là, quatre ans après, qu'est-ce qui se passait ? Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour des élections présidentielles. Il faut retenir cette leçon, Patrick, c'est ce que vous nous dites aussi. Ça voulait dire quelque chose, oui, forcément. Et puis aujourd'hui, les images sont quasiment les mêmes. Dans une société où le repli sur soi et l'individualisme a pris une force considérable, tout autour de nous, en Europe, c'est extrêmement inquiétant. Enfin, pas que l'Europe, puisque maintenant, d'autres pays... les États-Unis, rejoignent les Philippines, les États-Unis, l'Inde, la République, et le Brésil, Tchèque, évidemment. Et le Brésil, évidemment. Donc, il y a des questions à se poser sur la force que ça représente d'être ensemble, la force de nos différences. C'est quand même... C'est édifiant, le football, parce que le football, c'est quand même la représentation absolue de la société. Nous avons sur le terrain 11, enfin, voire 23 joueurs qui prouvent à quel point la diversité est constructive, à quel point la diversité est profitable et riche. Et au point même que ça en a ulcéré et agacé les observateurs du monde entier, comme certains observateurs italiens qui se sont permis de remettre en question l'identité française de nos joueurs. En disant que c'était l'Afrique qui avait gagné. À cause de leur couleur de peau. Enfin, on marche sur la tête. Et quelque part, on ne marche pas tant sur la tête que ça, parce que ça existe, c'est là, c'est présent. Et la France, aujourd'hui, va prendre ce rôle de gardien du temple de la démocratie en Europe, qui a été tenu pendant 70 ans par l'Allemagne, avec beaucoup de vigilance, et que même en Allemagne, ça commence à s'effriter. Puisque par deux fois, l'extrême droite fait 11 et 13% de l'élection et remet en question le socle de Merkel. Donc aujourd'hui,
on aurait peut-être tout intérêt à encourager ce gouvernement français et à essayer de faire en sorte qu'ils réussissent. Car on a tous intérêt plutôt que de taper sur la gueule à chaque fois systématiquement à tout ce qu'ils font. Ce bashing-là, il vous exaspère. Mais il est stupide, surtout. Il est contre-productif. Alors, il est très productif pour les certains populistes qui mettent de l'huile sur le feu et qui savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils sont très intelligents. Mais je trouve que c'est d'une une irresponsabilité totale. Voilà, il n'y a que l'irresponsabilité où il y a parfois des phrases qui choquent à juste titre. Quand, par exemple, on dit que les Français sont réfractaires aux réformes, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Ça, ce sont des erreurs de communication, des maladresses. Mais ça, oui, bien sûr. Qui n'a pas eu de maladresse? Quel chef d'État n'a pas eu une maladresse, n'a pas eu une phrase mal placée? Bien sûr, on ne demande pas aux gens d'être parfaits. Par contre, on leur demande de faire ce pour quoi ils ont été élus. Quelqu'un a été élu pour faire passer des réformes. Donc, Mais il y a une colère qui monte, il y a une déception. Là, bien sûr. Il y a une chute dans les sondages de Macron, qui avait suscité beaucoup d'espoir, Nouveau Monde. Oui, mais ça fait un an et demi, là. On n'est même pas à deux ans. Doucement, allons-y. Faisons confiance. Même si François Hollande avait un programme qui n'était pas forcément réalisable, j'avais envie de dire, faisons confiance et attendons, au bout de quatre ans et demi, voyons ce qui se passe. Pareil avec Nicolas Sarkozy. Vous savez, le quinquennat, c'est très court. Trop court, à mon avis. C'est trop court, oui. Trop court. Je pense qu'on est... C'était une erreur. On est très vite en campagne. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, bon, est-ce que... Au fond, qui je suis, moi, pour dire tout ça, être là? Nous ne sommes pas aux manettes. Je suis un citoyen, mais je ne suis pas aux manettes. Je ne suis pas à leur place, je ne suis pas dans la difficulté, je suis dans l'observation. Mais votre parole, elle a toujours porté, vous l'avez toujours fait entendre. Et ça a été justement l'une de vos spécificités, Patrick. Et y compris lorsqu'il s'agit d'écrire des chansons qui ont du sens. C'est ce qui est le cas dans cet album. C'est souvent dans les chansons qu'on arrive à s'exprimer. Ce soir, on sort, vous en parliez il y a quelques instants, Patrick. C'est une chanson qui a donné aussi le titre à cet album. Vous y évoquez les attentats qui ont touché la France en 2015, en janvier, en novembre, des attentats qui nous ont tous choqués, vous notamment. Le soir du 13 novembre, vos deux fils étaient présents au Stade de France, à côté duquel un terroriste s'est fait exploser. Quel souvenir vous gardez de cette soirée? C'est forcément une des pires soirées de ma vie, mais comme c'est la pire soirée de la vie de quasiment tout le monde, à titre personnel, mais il ne faut pas le ramener à titre personnel, c'est beaucoup plus global que ça. Enfin, moi, j'étais en Italie parce que je devais travailler, j'avais donné mes places à Amanda et pour qu'elle emmène les enfants voir le match. Voilà. Amanda Ster, c'est votre ancienne. Quand tu es devant ta télévision et que tu vois le match France-Allemagne et que tu vois, que tu entends les choses, que tu vois et qu'en même temps tu as les bandeaux en dessous qui t'annoncent le Bataclan et que tu es coincé dans un endroit où tu n'auras pas d'avion avant 6 heures du matin pour essayer de rentrer. Sachant que. Qu'en plus tu vas perdre des gens au Bataclan, enfin, tout ce qui s'ensuit. Et puis surtout, tu rentres le lendemain matin et tu prends dans tes bras deux enfants et tu essaies de leur expliquer l'inexplicable. Quand, en plus, quatre jours plus tard, je tournais un sac de billes et que je devais expliquer l'inexplicable avec les mots quasiment similaires à deux enfants en 1942 avant qu'ils partent en zone libre, ça faisait résonance, oui, ça faisait froid dans le dos. Des attentats donc contre la France en 2015, il y en a eu d'autres depuis, contre des Français aussi de confession juive, en janvier 2015 notamment, mais pas seulement. Attaque antisémite aussi, samedi dernier, cette fois aux États-Unis, un terroriste a ouvert le feu dans une synagogue de la ville de Pittsburgh. 11 morts, la pire attaque antisémite qu'ont connue les États-Unis. Vous avez réagi d'ailleurs dans un tweet, entre larmes et colère, une fois de plus, jusqu'à quand, point de suspension, une fois de plus, ces violences antisémites qui se banalisent, qui sont de plus en plus nombreuses aussi, 77 en France en 2016, 97 l'an dernier, plus 25%, une situation à laquelle le Premier ministre Édouard Philippe a réagi cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous avez évoqué le fait que l'antisémitisme était partout et toujours une forme d'indicateur de nos sociétés, et l'indicateur terrible du délitement ou des menaces qui pèsent sur la démocratie et sur la façon dont nous avons choisi de vivre en commun. Alors, la pire des choses, ce serait de se résigner, ce serait de ne pas voir, de ne pas dire, de ne pas reconnaître et de penser qu'on ne peut rien faire. Or, à la vérité, je pense, Monsieur le Président, qu'on peut faire beaucoup, qu'on peut ne rien laisser passer. Ne rien laisser passer, ce ne sont que des paroles, mais elles ont un sens et elles sont fondamentales. Ces paroles, est-ce que elles vous rassurent? Est-ce que ça vous rassure d'entendre le Premier ministre? Ce sont des paroles indispensables et comme il le dit, il faut parler, il faut nommer les choses. J'ai eu besoin d'entendre le mot attentat, par exemple, que je n'avais pas assez entendu. Ça ne suffit pas, mais c'est une prise de conscience.
On vous demande souvent, est-ce que vous vous sentez menacé en tant que juif quand un événement comme celui-là se produit? Mais je me sens menacé en tant que citoyen, en tant que garant de la République. C'est la République entière qui est menacée, c'est la démocratie, c'est l'équilibre total qui est menacé. Souvent, on ne s'est pas assez levé, en effet, devant les crimes antisémites. On ne s'est pas assez levé, on ne les a pas assez nommés. Il y a eu, bien sûr, des réactions. Mais parfois, les choses sont restées un peu... Hashtag pas de vague. On a eu beaucoup ça. Comment vous l'expliquez? Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux que le constater et le regretter. Mais il y a aussi des gens qui ont conscience de ce qui se passe et qui font tout pour éviter. Oui, bien sûr. Mais il faut parler, il faut informer. Mais il y a un tel délitement, une telle explosion de la démocratie un peu partout qu'on ne peut plus être tiède. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une explosion de la violence partout. Cette violence s'est banalisée parce que surtout, elle s'est décomplexée. Elle est décomplexée par des discours de responsables politiques qui partent d'une telle violence. Oui, c'est la première fois qu'il y a un crime antisémite aussi important aux États-Unis dans un climat de violence tel, perpétré par les dirigeants. On ne peut pas dire le contraire. Le discours du président américain autorise ces réactions. Vous savez, ce pays où deux jours avant, un type peut acheter en vente libre toutes ses armes. Donc il y a un paradoxe total. Vous avez pensé un temps, Patrick Bruel, quitter la France totalement, ne plus vivre dans le pays? Non. Compte tenu du climat? Non, je n'ai pas envie de quitter la France. La France est mon pays. La France, je l'aime profondément. La France... je ne déserte pas à quelque titre que ce soit. Et vous avez déjà eu peur, ici? Pas à titre personnel, mais globalement, il y a des climats qui parfois peuvent en effet nous être inquiétants. Oui. Mais la France a beaucoup de ressources, et la France a une capacité de sursaut, une capacité de survie qui est très forte. Elle l'a toujours prouvé. On le sent que vous l'aimez dans cet album, la France. Oui, oui. Je l'aime parce que c'est un pays merveilleux, parce que c'est un pays avec tellement de richesses culturelles, démographiques, agricoles, tout. Ce pays, non, c'est un pays extraordinaire. Vous savez, quand on est chanteur, on a un avantage extraordinaire, c'est qu'on connaît la France sur le bout des doigts. Avec les tournées. Parce que je l'ai parcourue. Et quand je la parcours, je ne passe pas mon temps que dans le bus ou que dans les hôtels. J'ai la chance d'être dans une ville, d'aller la voir, et puis de me promener. Et puis de... Comme un président en campagne, quoi. Ou un candidat. Un chanteur à la campagne, plutôt. Et un acteur à la campagne. Voilà, un acteur à la campagne. Tous ces thèmes politiques de société, aussi bien l'obscurantisme, la supposée faiblesse des optimistes, etc., à travers toutes les chansons, on les entend. Ils sont l'inspiration de pas mal des grands titres de cet album. Mais finalement, vous, ces questions liées à notre société, à notre capacité à faire société, comme on dit maintenant, elles vous poursuivent depuis longtemps. Il faut dire aux gens d'aller voter. Parce que ne pas voter, c'est donner sa voix à celui qui va gagner. Ne pas voter, c'est favoriser la progression du Front National. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux et extrêmement irresponsable. Quand vous regardez la société, le monde, vous avez envie de vous battre, de prendre des positions, d'appeler. Moi, j'ai toujours eu envie, c'est-à-dire à partir du moment où les choses me paraissent importantes, je crois que c'est le devoir d'un homme. De parler, de prendre des positions. Un homme public a des micros devant lui, je ne vois pas pourquoi il se tairait. Alors c'est vrai que ça remet toujours en question cette légitimité de l'artiste à s'engager. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, ma seule devise est que... à partir du moment où on sent les choses et qu'elles vous paraissent importantes ou en tout cas dangereuses, pourquoi ne pas en informer les gens? Aujourd'hui, le Patrick Bruel de 2018, il dit quoi à ce jeune-là? Il dit qu'on peut se prendre dans les bras, que j'ai pas trahi la ligne, qu'on s'était fixé quand j'avais 15 ans. J'ai toujours été le même. Moi, j'étais très politisé. J'étais au lycée Henri IV, qui était un des plus politisés de France. J'étais devant, oui, ça a toujours été important. J'ai grandi dans un monde très politisé. Mais le succès aurait pu vous écarter de cette mobilisation, de cet engagement, prendre moins de risques? Oui, encore que je ne l'ai jamais évalué en risque. Mais ça a clivé, bien sûr que ça a clivé. Mais il y a
certains moments où ce que vous dites entre amis, ou ce que vous dites dans un dîner, ce que vous dites à vos copains, mais pourquoi vous ne le dites pas à tout le monde? Pourquoi pas? Oui, bien sûr, on parlait de cette intervention à 7 sur 7 où j'allais appeler à participer, à voter, à refuser l'abstention qui, au deuxième tour d'une élection, ne veut rien dire. C'est pour ça que c'est, au moins, il y a un an et demi, il y avait un choix qui se faisait entre la candidate du Front National, le candidat Macron. Il y a certaines personnes qui n'ont pas appelé à voter. Et c'était irresponsable. Je trouvais ça absolument incroyable qu'un leader politique, en l'occurrence, n'appelle pas. J'ai trouvé ça choquant qu'il n'appelle pas à voter à ce moment-là. Franchement, Patrick, depuis 91, 93 et vos interventions avec Anne Sinclair et Claire Chazal, il y a un moment où vous vous êtes dit, il faudrait peut-être que je m'engage en politique. On me l'a demandé, on m'a fait sentir. Et puis, non, enfin, c'était pas forcément ma place. Non, enfin, oui et non. Non, mais c'était pas forcément ma place, non. Je reste un artiste, je reste un musicien, un acteur. C'est là que je suis. Je suis, comme vous le disiez, je suis un membre de la société civile, donc je parle. Alors évidemment, on peut beaucoup parler sur les plateaux. Il y en a maintenant des membres de la société civile qui s'engagent, on le voit bien, oui. Il y a une vraie ouverture. Oui, on pourrait sans. Mais François Mitterrand, vous l'a demandé. C'est-à-dire, non. À quel moment? Non, mais c'est pas. Je pense que. Ou vous y allez complètement, ou c'est pas la peine d'y aller. Par exemple, un artiste qui se fout derrière un homme politique pour une campagne, c'est absolument contre-productif. Oui. Comme je le dis dans un journal cette semaine, Hillary Clinton a eu derrière elle les plus grandes stars de la planète, de Jay-Z à Springsteen, en passant par Madonna. Ça n'a pas servi. Un artiste ne change rien à une élection. Après, voilà, si vous avez vous demande, et là, c'est un engagement. Il faut avoir du temps. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à vous, on a rarement reproché de s'être engagé parce que vous l'avez fait dès le début, comme citoyen, et qu'aujourd'hui, ça fait partie de votre vie. On sait qu'on est quelqu'un qui regarde et écoute. On a pu me tacler. Oui, au tout début, notamment. Normalement, enfin, c'était aussi normal qu'il y ait des gens qui puissent ne pas trouver ça légitime ou quoi que ce soit, mais peu importe. Après, tout dépend des sujets qu'on aborde. Est-ce qu'on connaît un peu ces sujets? Est-ce qu'on connaît ces dossiers? Ouais, vaut mieux un petit peu quand on s'exprime. Il y a un dossier que vous connaissez bien, c'est celui de la musique. Vous avez fait, c'est vrai, une campagne publicitaire énorme. Vous avez dépensé un pognon de dingue pour la promotion de votre album. Un post Facebook et 200 000 places réservées avec un post Facebook. Pour la tournée, oui. On l'a annoncé, puis... Vous voyez ce qui allait se passer. C'était très agréable, très rassurant. Dès le mois de juin, de savoir que les gens honoraient ce rendez-vous à partir du mois de février. Donc, en effet, cette tournée s'annonce, comme vous le disiez gentiment avant, gigantesque. Assez folle. Oui. D'autant plus appréciable que vous avez été adulé comme rarement on a été adulé, et vous l'êtes toujours. On s'est replongé dans les archives des magazines il y a 20 ans. Regardez-vous, Patrick. Est-ce que c'est pas dingue? Je comprends qu'on en ait eu marre. Vogue Homme, Elle, Le Figaro, Jeune et Jolie, Première, Psychologie. Et puis, c'est Studio, c'est fou, vous étiez absolument partout. Borrelmania, c'est le bon mot, même si cette euphorie, ce succès, vous ne le viviez pas si bien que ça à l'époque. Écoutez-vous. Ils en sont persuadés, il est là, en chair et en os, dans cet immeuble. Ils sont en tout cas une centaine à se casser la voix en scandant son prénom, Patrick. Et oui, Patrick Bruel, qu'on aurait vu entrer dans cet immeuble situé à deux pas des Champs-Élysées. Pour prouver leur amour à l'idole, ils martèlent de coups de poing les voitures qui ont eu le malheur de se garer là. À 18h30, enfin, un homme sort précipitamment de l'immeuble et s'engouffre dans ce véhicule de police. On ignore toujours s'il s'agit de Patrick Rumeur, oh pardon, de Patrick Bruel, mais cela suffit à apaiser ses juvéniles adorateurs. Vous vous méfiez de la notoriété aujourd'hui, Patrick? Non, c'est pas ça. Ces images sont à la fois, quand on les regarde avec recul, c'est très amusant quelque part, et puis c'est assez drôle que, en plus, je dînais chez ma mère, et que le fourgon de police qui m'amène chez ma mère pour dîner, c'était sympa. Au départ, c'est une petite histoire. Je suis avec Arcadie, on va à 5h de l'après-midi, je veux lui faire écouter qui a le droit, en fait, que je viens d'enregistrer, et il me dit, viens, on va boire un café, et on va à Pizza di Roma, ça s'appelle.
Et voilà, on rentre là-dedans, et puis les gens, quelqu'un, une personne me voit, deux personnes me voient. Puis, et il n'y avait pas Twitter à l'époque. Imaginez maintenant, avec les réseaux sociaux. Tout de suite, ils se sont retrouvés à 2000, 3000. C'était, voilà. Et puis alors, après, ça a pris des proportions bien plus grandes, après, dans la manière de le décrire, dans une médiatisation à outrance. Et puis voilà, ça donnait lieu à quelque chose qui devenait un petit peu incontrôlable. C'est tout comme vous voyez, c'est une de magazine, en tout cas. C'est très joliment fait ce que vous avez fait. Je voudrais ce tableau pour le mettre chez moi. Pour montrer à mes arrière-arrière-petits-enfants que tout ça n'était pas qu'un rêve. C'était il y a une vingtaine d'années, on va dire, comme ça. Bientôt une trentaine d'années. Bientôt une trentaine d'années. Puisque nous fêterons à l'Arena en 2019, en décembre 2019, ce soir-là, nous fêterons les 30 ans d'Aller Regarde. D'Aller Regarde. Le temps qui passe, vous en parlez dans une des chansons. Pas eu le temps, on écoute. J'irai trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, Patrick ? C'est que vous refusez le temps qui passe, vous vous sentez parfois... On ne peut pas le refuser, on ne peut que constater. Et à la fois, la fin de la chanson vous emmène vers quelque chose d'extrêmement positif. Mais je l'aime, ce temps qui passe, parce qu'il m'apporte tellement de choses et il m'a apporté tellement de choses. Je ne souffre pas du temps qui passe. Vous n'avez pas peur de vieillir, quoi. Physiquement, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce souci-là. La seule peur du temps qui passe, quand on a des enfants de 13 et 15 ans, c'est qu'on a envie de les voir le plus longtemps possible. Et c'est cette échéance-là qui peut m'effrayer et me mettre en... Et donc cette chanson, magnifiquement écrite par Félix Gray, mon complice, dit les mots tellement justes. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, pas eu le temps de dire au revoir à un ami. Voilà, c'est ce que ce temps, il est précieux, il est magnifique. Mais quand on vit tout ce que je vis, quand on rencontre des moments aussi forts, on ne peut pas vouloir que le temps soit long. Il y a que les gens qui s'emmerdent qui trouvent le temps long. Donc forcément, ça va très très vite. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer, me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Benjamin Lecoq, en Paris Match, écrit dans son album, il se dévoile en amoureux, en homme qui a souffert et fait souffrir des femmes et rêve de mourir dans les bras de l'être aimé. C'est-à-dire qu'en fait, il fait allusion à la magnifique chanson de Pierre Lapointe. Mais vous en avez brisé des cœurs. L'amour est un fantôme. Je ne botte pas en touche, mais j'ai pas écrit les paroles de cette chanson. Je ne suis qu'un interprète. Je ne suis qu'un interprète. Parce que, à la question de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés, moi j'ai quelques réponses. Hein. C'est vrai. Et celle-là en particulier. On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait? Mais la question se pose. On se plaît, qu'est-ce qu'on en fait ? Et quand c'est Pierre qui la pose, cette question, alors là... Il y a peu de gens qui ont rencontré autant de grands de ce monde que Michel Drucker. Il était sur ce plateau il y a 10 jours et on a évoqué Charles Aznavour. Et à un moment, on lui demande, mais qui pourrait aujourd'hui revendiquer le titre d'héritier du grand Charles ? Il n'avait qu'un nom en tête. Il y a très peu de gens, d'acteurs, de personnalités du spectacle qui ont réussi une carrière au plus haut niveau. Sur scène, au théâtre, au cinéma, ou à la télé, il y en a un qui réunit tout aujourd'hui, c'est Bruel. Bruel, il est tête d'affiche au théâtre, tête d'affiche au cinéma, il remplit les stades, il est tête d'affiche au poker, et il s'angoisse comme au premier jour. Mais des gens qui sont capables de faire des carrières longues comme ça, ça demande tellement de concentration, puis surtout, il faut de la chance, puis c'est difficile maintenant. Hey. Pas mal, hein. Merci, comme toujours, mais quelle fidélité, quelle fraternité. Michel Drucker a été là au premier jour et il sera là avec moi samedi soir sur France 2 pour notre spécial. Et quel bonheur de le retrouver. Il fait partie de ma vie, Michel. Il fait partie de ma partie intégrante de ma carrière. Il est là à toutes les étapes. Il est là à toutes les premières fois. Et ça me fait plaisir, évidemment, ce qu'il peut dire. J'aime bien quand tu dis que c'est avec l'angoisse comme au premier jour, avec la même comme au premier fébrilité. Je suis fébrile parce qu'on met 2 ans d'une vie dans un album, parce que certaines personnes disent que c'est mon meilleur album, donc ça me fait très plaisir. Sans renier avant, le passé. Mais c'est vrai qu'on y a mis, j'y ai mis beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un avant, un après Barbara. Peut-être que l'exigence au niveau des textes vient aussi d'avoir passé un an avec Barbara tous les soirs à chanter des chefs-d'œuvre et à se dire
l'écriture est tellement importante. Voilà, j'ai beaucoup d'exigences. C'est pour ça que l'album a mis un peu de temps à arriver aussi. Je ne sais pas, j'essaie de trouver des raisons. Mais, Ce soir, on sort, c'est le titre du nouvel album de Patrick Bruel, avant de sortir le 5 sur 5 de Maxime Switek.